Yo tout le monde, c'est Lindy, j'espère que tu vas bien. Enfin, à part ça, très bien. Alors là, je vais vous présenter une nouvelle base. Enfin, la base qui a été un peu customisée. J'ai un peu été fermée, j'ai trouvé de nouveaux trucs. Donc, on va commencer par le chargeur de piles. Alors, comme vous pouvez voir, hein, bon, ça, vous mettez des piles dedans et hop. Ok. Ça charge les piles. Donc, là, on peut mettre des petites piles ou des grosses piles. D'ailleurs, je vais vous montrer. Et c'est genre il me faut quoi déjà? Caoutchouc, ok, bon, on verra ça tout à l'heure. Donc là j'ai une poubelle, hein. Bon, je sais pas, ça sort pas grand chose, bon, je sais pas quoi mettre là en attendant. Donc on va commencer par là, donc j'ai rajouté quelques armoires. Je fais un certain nombre de modifications, du coup j'ai amélioré un peu quelques trucs. Réservoir très haute capacité et les pannes très baissantes. Donc alors attends. Il va juste me falloir ici il me reste. Ok. Donc, on va se faire une batterie haute capacité. Voilà, elle est chargée hein, de base. Hein. C'est pareil, si je peux vous montrer qu'on peut la mettre dedans. Voilà. Je crois qu'il y avait un truc, je sais plus, on va mettre ici. Ouais, je sais plus, c'était peut-être un autre chargeur de ville, bonsoir. Donc, alors, là, je vous ai montré. Donc, ici, là, j'ai fait le sonar. Donc, alors, là, par exemple, vous choisissez un matériau à choisir, à trouver. Ouais, donc, ça, c'est pour les améliorations. Alors, voilà, pourquoi ça marche pas? Ah oui, là. Non, ça, c'est pour trouver les caméras de contrôle. Ok, donc là j'allais chercher les épaves pour chercher justement les améliorations. C'est pour ça que je suis là, donc là il y en a une autre là-bas par exemple. Bon, on va changer de caméra pour y aller directement. Allez. Ah, oui, des fois il y a des petits monstres comme ça qui arrivent. Donc ouais, j'avais trouvé quelques épaves derrière ici, il faudra que je vienne ouvrir la porte. Ah bah il y en a un qui me bouffe. On va voir ce qu'il fait un peu. Bon, rien du tout. Bon bref. Ah, je crois que c'est numérisé en fait. Pas modifié si encore. Donc là, vous choisissez quelle ressource vous cherchez. Donc les épaves, du métal, enfin peu importe. Choisissez, vous pouvez voir directement avec la caméra. Ça c'est pour améliorer, donc là j'ai déjà mis une amélioration, c'est vitesse de scan. Après voilà, ce côté un truc que je connaissais pas encore, magnétite. Ça j'ai déjà. Ouais non, ça c'est pas magnétite, j'ai pas non plus. Ensuite, on a à l'étage. Donc voilà, ici, ce que j'ai fait une observateur. Bon, bien sûr il fait nuit, donc là on voit pas très bien, mais bon. Ça sert pas à grand chose pour le moment, c'est juste histoire de faire un petit kiff. Donc là ça le scanner qui est en bas. Là qu'est-ce que j'ai amélioré ici? Donc là c'est pareil, hein, j'avais fait ça, la petite serre. Là j'ai juste rajouté quelques poissons. Il y avait un d'air que je trouvais assez sympa, c'est lui là. C'est une denaille. Est-ce qu'on peut voir mieux? Ah, vous voyez son œil. C'était vraiment un œil, hein. C'est pas moi qui l'ai appelé comme ça. Un œil. Bon après, hein, juste des poissons hein, de extraordinaire. Alors, qu'est-ce que j'ai été fermé du coup? J'ai été fermé quelques minerais assez rares. Donc, on a récupéré du cristal d'uranite. J'ai trouvé ça aussi dans une épave. Tableauillette. Du rubis, du lithium et du diamant. Donc, ça m'a permis de faire pas mal de choses. On va juste poser les piles parce que j'en ai besoin de temps. On va juste en garder ouais, au pire. Ah oui, du coup j'ai fabriqué le canon à propulsion. Le découpeur laser d'air. Je vais équiper. Non, on va mettre là. Hop, le découpeur laser. L'outil de réparation, ça j'avais déjà. Le canon à propulsion, ouais. Bon, ce qu'on va faire, on va voir d'abord le premier message, ce que ça donne. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of the drop. Et s'il n'y a rien d'intéressant, on ira directement à l'Aurora. Sounds like you tasted a bunch of the former. That only means you're overdue a whole lot of the latter.
On va attendre. D'accord, bien. Ok, donc on va aller à l'Aurora pour cet épisode. Non, si je me trompe pas, c'est par l'avant qu'on rentre, c'est ce qui est dans l'eau. Je pense que c'est un peu chiant avec le simulateur, on voit pas grand chose. Elle commence à faire jour. On retournera à la fin de l'observatoire, je pense, après l'Aurora. Pour vous montrer en plein jour, c'est pas très, très beau, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a, lui, c'est un truc? Ouais. Bon, allez. C'est un peu loin quand même, hein. Mais bon, on arrive. On commence à voir les bouts, les épaves, un peu partout ici. Je crois pas qu'il y ait des pièces qu'on peut récupérer. Je crois que c'est que du titane, quoi. Je sais pas, ok, ça c'est pas mal. Bon, t'es dos, c'est pas ouf, mais bon. Ça peut toujours servir, hein. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire le plein de bouffe, bon, je crois. Non, je vois pas mal. Ah, ouh. Je suis en tête d'un pour moi, ça. Ah, ça, ça arrive. Je penche pas, mais... Je vais arriver trop vite. Ça s'arrête pas tout de suite. Alors. Donc, c'est par où qu'on rentre. Ok, donc on peut y aller en face. On va se poser là. Voilà. Donc là, on va prendre ça. Alors comment ça marche? Ah. D'accord. Bon, ça va, c'est sympa à utiliser. Par contre... Merde. On va juste virer ça et prendre le découpeur laser. Tac, voilà. Ok. Un extincteur, bah tiens. Je crois que j'en avais acheté un autre, ouais. Puis en attendant... Ok. On va quand même mettre ça. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a le truc à récupérer? Changer de faire tuer. Alors. Donc là il va falloir un code que je ne sais pas. Donc, comment ça marche ça? Ok, ça marche pas ça, je vais te laisser appuyer. Alors, donc j'ai un max d'oxygène. Et c'est quand même assez long. Ok. Là ça c'est quoi? Transfert de données, ouais. Et là encore. Tenir cet ossier. Alors. Ah, il y a des aussi.
Ma faut que je trouve le code. Non. Je pourrais regarder toi de la mort. Voilà. On va aller voir ce qu'il y a au fond d'abord. C'est vraiment pas par où aller. Voilà. Alors on va juste voir un coup parce que... Ok, hop, voilà. Non, par où on va? Je crois qu'il n'y a rien à tuer en vrai. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs dans les caisses? Non. À ouvrir, c'est ce qu'on peut pas. La lumière pour l'instant c'est bon. Okay, mais avant d'aller par là, je vais d'abord aller explorer ce qu'il y a là. Hop, une batterie. D'accord, donc une boîte noire. Ah oh, ça c'est intéressant. Le prendre. Je crois qu'il n'y a rien dans le test. Mais bon, mieux vérifier. Donc, si on peut passer. Hop, on va redescendre tranquille. Est-ce qu'on peut scanner des trucs? Ah putain, il y a vraiment une pile maintenant. Quartier résidentiel. Ah, il doit y avoir un code dedans. Ah, ça c'est nice. De l'eau et de la bouffe. Ah oui, il m'a pas en plus. Mais bon, moi tu manques pas de nourriture quand tu viens. Du coup, là il y a le feu. Donc on va mettre un extincteur. Bah, je suis pas obligé de tout éteindre, mais bah, je crois qu'il va prendre de risques. Voilà. Voilà. Ça c'est la déco. D'accord, donc ça devait être un resto ici. Bah, yes. Pour moi, Paya, c'est un lit, mais bon. Ah, étage en mural, ça. Ouais. Par contre, c'est à quoi j'ai plein de fesses, il revient. Ouais, c'est fermé de toute façon. On va t'en récupérer, je pense. Ok. Il va pas rester fermé. Ouais, bon, on va passer par là. Ah ben, lui. Comme ça sert à rien, on va le prendre. Peut-être le mec il dort jamais en fait. Ah là c'est valise. C'est à quoi? D'accord. Pas pourquoi que je... Ah d'accord, on a des trucs.
Ça va, ça ne sert à rien. Ah bah c'est un truc de pétage. L'appareil il faut un code. Oula. Là, il faut des codes partout en vrai. Il n'y a rien. Un PDA. Donc, là, on va passer. Oh. On va encore le finir, hein, ce qui reste. Hop. On va mettre un autre, hein. Ça sera 100% les deux. Utile. Là, les piles qui me viennent sont à 100%. Ouais. Hop, de l'eau. Là, ça va, on a pas mal. Là, il y a rien, tout ça. Non, c'est pas là, je vais me prendre de côté, je vois en arrière. En vrai, j'ai pas ça, mais je suis même pas si avec les choses dedans. On peut me faire passer. Voilà, on va essayer. Non. Bon. Plus. Ouais. Doucement. De l'eau. Et on commence à avoir beaucoup d'eau. C'est ça. Julien, il est prêt du coup, il est où? Ok. Là, là, on était. Est-ce que j'étais partout aussi? On va les ouvrir. Là, on était. Ici. Et je crois qu'au fond à gauche on a tout fait aussi. Je vais revérifier le cas où. C'était ça du coup. Ah déjà c'est un chiffre. Un code de 4 chiffres. Ok. Deux sur 4. Merde. Marche. Ouais, ok. Donc ça, on a le prône. Et le petit dernier. Et voilà, on nous en prône de BT. Nickel. Du coup, on va aller par là. Encore allez, ouais, une pile. Ça c'est bien, le BT2 ça servira toujours. Ouais, j'ai rien de soin, est-ce que je peux servir? Ok, ah oui, d'ailleurs bon, on va faire ça d'abord. Il faut vraiment essayer de plus. Je trouve les codes sont simplement dans les PDA, hein, mais je trouve que j'ai pas lu. Bon, on en a tout à l'heure. On va les voir d'abord ici. Il y a trop de... tu sais quoi? On va d'abord aller voir les... Là-bas, parce que je sais pas pourquoi je sens qu'on va pouvoir revenir après. Ça fait d'avoir fini la zone où j'ai été. Si on peut pas revenir ou
trop loin, alors je sais pas, genre. Autant y aller direct. Ok, donc c'était où? Je crois avec nous, je suis à droite, de toute façon, de côté, il y en a. Alors. Ah ouais, non, c'est pas ça. Quoi que. Ouais, d'accord. C'est 4,83. Ah, mais ça, c'est PC. PC. Ouais. Code. C'est pas ça. Non. Non. Oui. Donc quoi ça pourrait être? Ouais, c'est ça, hein, c'est le nom de la planète. 45, 46. Non, bon. Est-ce que j'aurais pas loupé un PDA par hasard? Une bouteille d'eau. Ouais. Donc là c'était quoi tout à l'heure le code que j'ai trouvé? Soixante-quatre, 33, mais c'est laboratoire. Non, on reviendra plus tard, c'est pas grave. Au moins on aurait essayé. Ok, de l'autre côté, il y a quoi déjà? Il y a rien de ce côté? Moi je sais pas, il me semblait qu'il y avait un code. Bon. Ok. Aïe. Bon bon bon, rien de dire. Salle de machine BS Max. To the Aurora do not match any known il est bug, je peux plus sortir mon arme. Bon bah y'a rien à voir, y'a rien je pense. Ok. D'accord. Reserve power. Unable to remotely download Black Box Reader.
Merci. Bon, tant pis. Hein? Tant qu'on puisse passer au moins. Bon, ça j'ai déjà. Ça va rien. Alors, on va voir s'il n'y a pas un code comme ça. Attends, on va aller tout de suite. Non, c'est pas la route, de toute façon. Ah, code de la bille de charge, disons. 1454, c'est là, non? Ouais, je sais pas. Et j'ai peint tout ça en pierre la pile vide, hein, c'est fou. Ça c'est juste parce que j'aime pas trop. Voilà. Ok. Voilà, je peux voler cette tête ou quoi? Il y en a combien de ces bestioles? Là j'aurais dû essayer de la balancer dans l'eau avec les propulseurs. En vrai y'a rien ici, c'est juste pour sortir après. Ouais. Bon, on va aller de l'autre côté, on viendra là plus tard. C'est le bordel là-dedans. La valve de l'eau, tu n'as pas vu ça? Allez, on est full, on va quand même aller. Enfin, j'ai même pas vu ça non plus, putain, je suis aveugle. On va quand même aller voir ici, au cas où. Non, non. Alors du coup, non, il n'y a pas été. Ah, il y a un truc à ça. What? C'est quoi ça? Ça en suffit. Elle est morte. Ok. Outil de réparation. Allez. Pourquoi je le stun ça? Bon, c'est pas grave, comment ça arrivera. Oh, ça c'est intéressant. Ouais. Ok. Donc du coup, moi je viens de là-bas, je crois. Mais là-bas. Je suis pas sûr. Peut-être. Non, je viens de là.
Ouais, j'étais là, on va aller voir là-bas. Quoi, une amélioration? Wesh. Pour la presse, c'est ça? Plus d'accord. Hop. Alors, je vais en faire celle qu'on voit. Il est en bas, je crois. Ouais. Ah, bon. Il y a des monstres, hein. Ah, je comprends pourquoi une dizaine de temps de pile en fait. Bon. Il me semble que j'en ai vu une autre à droite, mais je suis pas sûr. Ouais. Ok. Alors, c'est ça. Bueno. C'est bon? Ouais, encore deux. Bon, pour l'instant, c'est un des deux. Voilà. Allez, allez. Bon. Dégage. Ok. Ok. Allez. Allez. Et voilà. Et du coup, ça fait quoi? Ça y est, t'as vu le côté? Est-ce qu'il faut pas mettre des piles dedans? Non? Non, je sais pas. Est-ce qu'il faut faire autre chose ou pas? On va y rien d'autre. Donc un truc à appuyer ou un bouton, manuel, je sais pas. Et un trou. Non, je pense pas. Ok. Ah là, un instant de terre. J'en avais plein qui était vide, non, mais... Hop, merde. C'est pas ça que je veux faire, c'est ça.
Tout ça pareil, en vrai. Autant le prendre. Ok, bon, bah, ça m'a l'air bon. On reviendra sur autre chose à faire, mais je pense pas. Du coup. Ouais, c'était quoi? Ouais. Alors, je dis, c'était le code de quoi? De la BFR-Dézon. C'est où ça? Béatrone? Non. Là où il y avait quoi, je sais plus. Déclarer tes endroits, l'administration, attends, on va retourner faire un tour, voir si on a rien oublié. Ouais. Non, je pense pas. De l'autre côté. Je coupe les chauffages, je commence à avoir chaud. Hop. Alors, y a rien, est-ce qu'on peut passer? Non. Oula, oula. Ah. Attends, on va essayer un truc. Oui, oui, peut-être. Un petit peu de toi, mon gars. C'est où? Il a dû sauter. Hop. Bon, ça ce serait pas par là. Ah c'est ce système ça. Je sais plus. Il vole un peu lui. Si, apparemment. Hop. Ça dégage, c'est pas la dot. Hop. Je l'entends, mais je vois pas. Bon. Ça, je t'ai vu. Hop. Ici. Hop. Ok. Alors, on s'en va. Allez, hop, salut, yesh. Bon. Alors, un peu de toute façon, après. Ah, mais en fait, on a fait le tour, ça y est, c'est tout. D'accord. Bon, j'ai pas ouvert ça. Ah si, c'est vert.
Alors, on va retourner à la base et on va voir. Attends, j'ai un truc pour ça. L'amélioration. Alors, c'était. Hop, et ça c'est pour le ship. Du coup, on peut jusqu'à 300 mètres avec. Nice. Bon, on est loin quand même. C'est quoi cette lumière-là? Alors. C'est un peu loin. Ok, on arrive. La base, tu le vois dessus? Ça, il y a un petit bug. Voir de si loin, c'est bizarre. Je crois bien que c'est ça en fait. Ça. Oui, c'est ça. Tiens. On la voit de loin. Bonjour. Ok. Alors. On va aller déposer un peu de stuff parce que là on a un paquet. On va en dire 2, 2, 3, 2. Nourriture. On va être 2. Un seul ça suffira. Niveau pile extincteur, waouh, j'en ai un paquet. Une de chaque, ça doit suffire. Extincteur. Bon, je pense pas que j'en ai besoin. Là. Ok. Ça, on va le laisser là pour l'instant, on n'a pas besoin. Ouais, deux, ça suffit. Alors, est-ce qu'on a des outils? Ouais. Coupe à laser. Ah, combinaison prône. Aérogel, alors ça je sais pas du tout comment on fait. Un autre plasticine. Mais si tu veux, j'ai trouvé quelques trucs déjà, mais bon. Ok. Ça c'est bien ça. Il est simple, t'avais des barres, feignasse. Bon après c'est de la déco quoi. D'accord. Ouais, je trouve les codes et puis je chercherai sur internet et je retournerai. Du coup, je vais voir ce qu'il fait jour. Ben non mais ça. Voilà. Ouais, en fait j'aurais peut-être dû inverser ou le plus loin, je sais pas. Bon c'est pas. Dans tous les cas, je peux le modifier. Bon. Ah ben, je pense que déjà cet épisode sera assez long. Attends, du coup, est-ce qu'on peut voir? Ah ben, j'ai un autre message. Ouais, c'est toujours en numéro. Bon, je sais pas pourquoi ça a dû bugger. Ça va. Du coup, on voit toujours les messages, tu sais. Ah ben, capture le service. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us, and I don't know how long we're gonna last. We're close to the crash site, so bring radiation protection. Four out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Oui.
n'est pas des vieux, hein. Bon, c'est pas grave. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Hein. Si vous avez des trucs à me dire, n'hésitez pas. Hein. Je fais un peu de la merde des fois. Bon, ben voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Allez, sur ce, peace tout le monde.